بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre chapitre c'est Donner au Brumeau partie 1. Définition. Soit un entier naturel plus grand ou égal à 2. La factorielle d'un entier naturel n. Notez factorielle n, c'est n point d'exclamation. C'est le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à n. En d'autres termes, factoriel n c est égal à 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Donc, factoriel n est le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à n. Par convention, factoriel de 0, c'est égal à 1, et factoriel 1, c'est égal à 1. Exemple, simplifié, avec n appartenant à n et n plus grand ou égal à 2. A, factoriel 6. Factoriel 6, c'est le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égal à 6. Donc, factoriel 6 est égal à 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6. Donc, c'est 720. De même, factoriel 4 est le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à 4. Donc, factoriel 4, c'est égal à 1 fois 2, fois 3, fois 4. C'est égal à 24. C. Factoriel n plus 1. Factoriel n plus 1, c'est égal à 1 fois 2, fois 3, fois 4, jusqu'à n plus 1, donc fois n plus 1. Simplifier factoriel 9 sur factoriel 6. Factoriel 9, c'est égal à 9 fois 8, fois 7, fois 6, jusqu'à 1. Et de même, factoriel 6, c'est égal à 6 fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Après simplification, c'est 9 fois 8 fois 7, c'est 504. Donc, remarquez que factoriel 9, c'est égal à 9 fois 8 fois 7 fois factoriel 6. Sur factoriel 6, donc c'est 9 fois 8 fois 7. De même, factoriel 8 sur factoriel 11. On a factoriel 8, c'est 8 fois 7 fois 6, jusqu'à 2 fois 1, et de même, factoriel 11, c'est égal 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 2 fois 1. Après simplification, c'est 1 sur 990. On peut dire rapidement que factoriel 8 sur factoriel 11, c'est égal à factoriel 8 sur 11 fois 10 fois 9 fois factoriel 8. On peut simplifier factoriel 8 avec factoriel 8. F. Factoriel n plus 2 sur factoriel n. Factoriel n plus 2, c'est n plus 2 fois n plus 1 fois n fois 2 fois 1. Factoriel n, c'est n fois 2 fois 1. Donc, c'est égal n plus 1 fois n plus 2. Maintenant, on peut utiliser la calculatrice pour calculer la factorielle d'un entier naturel. Par exemple, 9 ou bien 6 factoriel, c'est shift, c'est le symbole de factoriel. Donc, factoriel 6, c'est égal à 720. De même, factoriel 4, on écrit 4, puis shift, c'est le symbole de factoriel, c'est égal à 24. Donc, on peut utiliser la calculatrice pour déterminer la factorielle. Application. Écrire en utilisant la notation factorielle où n appartenant à n et n plus grand ou égal à 2. Partie A. Arrêtez les vidéos et essayez de le faire seul. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est factoriel 5. 9 fois 8 fois 7. Donc,
c'est égal à factoriel 9 sur factoriel 6. Car 9 fois 8 fois 7, on multiplie par 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, divisé par 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc c'est factoriel 9 sur factoriel 6. Ou bien directement fois 6 factoriel sur factoriel 6. B. Essayez de le faire seul. Donc, c'est factoriel 11 sur factoriel 13. On multiplie par factoriel 11 pour le numérateur et factoriel 11 pour le dénominateur. Essayez de le faire seul. Donc, c'est factoriel n plus 1 sur factoriel n moins 2. Attention, factoriel 12, c'est différent que n'est pas égal à factoriel 8 plus factoriel 4. Donc, la factorielle ne se décompose pas pour l'addition. De même, factoriel 12 n'est pas égal à factoriel 15 moins factoriel 13. Et même pour la multiplication, factoriel 12 n'est pas égal à factoriel 6 fois factoriel 2. Et factoriel 12 n'est pas égal à factoriel 36 divisé par factoriel 3. Donc, la factorielle ne se décompose pas pour l'addition ou bien la soustraction, la multiplication et la division. Factoriel 3,2 n'existe pas car 3,2 n'est pas un entier naturel. Factoriel moins 5 encore n'existe pas car moins 5 n'est pas un entier naturel. Et de même, factoriel 17 sur 2 n'existe pas car 17 sur 2 n'est pas un entier naturel. Arrangement et combinaison. Soit n et p deux entiers naturels tels que n plus grand ou égal à p et p plus grand ou égal à 0. Arrangement s'écrit arrangement a n p. On dit que c'est l'arrangement de p éléments à partir de n éléments. C'est égal à factoriel n sur factoriel n moins p. Combinaison, symbole C, c'est choisir p éléments à partir de n éléments. Et de même, c'est la notation n, p entre parenthèses, c'est factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p. Simplifier avec n appartenant à n et n plus grand ou égal à 2. Arrangement 2 à partir de 5, c'est égal factoriel 5 sur factoriel 5 moins 2, c'est factoriel 3, c'est égal à 5 fois 4 fois factoriel 3 sur factoriel 3. Donc, c'est 5 fois 4, c'est égal à 20. Arranger 1 à partir de 10, c'est factoriel 10 sur factoriel 9, c'est égal à 10. Arranger 10 à partir de 10, c'est égal factoriel 10 sur factoriel 10 moins 10, c'est-à-dire factoriel 0. On a dit que factoriel 0 c'est égal à 1, donc c'est égal à factoriel 10. Arranger 0 à partir de 10, c'est égal factoriel 10 sur factoriel 10 moins 0, c'est égal à 10, donc c'est égal à 1. Arranger 2 à partir de n, c'est factoriel n sur factoriel n moins 2, c'est n fois n moins 1 fois factoriel n moins 2 sur factoriel n moins 2, donc c'est égal n fois n moins 1. F, arranger
n-1 à partir de n, donc c'est factoriel n sur n moins n plus 1, c'est factoriel 1, donc c'est factoriel n. Choisir, c'est la combinaison 3 à partir de 5, c'est factoriel 5 sur factoriel 3, factoriel 5 moins 3, c'est factoriel 2, c'est égal à 10. Attention, factoriel 3 fois factoriel 2 n'est pas égal à factoriel 5. C'est 1 de 10, c'est factoriel 10 sur factoriel 1, factoriel 10 moins 1, c'est factoriel 9, donc c'est égal à 10. Factoriel 10, c'est 10 fois factoriel 9, sur factoriel 9, c'est 10. Choisir 10 à partir de 10, la combinaison 10 de 10, c'est factoriel 10 sur factoriel 10 fois factoriel 0, c'est égal à 1. Factoriel 0, c'est 1. C'est le symbole de combinaison. Choisir 0 à partir de 10, c'est égal factoriel 10 sur factoriel 0 sur fois factoriel 10, c'est égal à 1. Choisir 2 à partir de n, c'est factoriel n sur factoriel 2 sur n moins 2, factoriel. Factoriel n, c'est n fois n moins 1 fois factoriel n moins 2 sur factoriel 2 fois factoriel n moins 2. Par simplification, par la factorielle n moins 2, donc c'est n, n moins 1 sur 2. Et finalement, combinaison n moins 1 de n, c'est factoriel n sur factoriel n moins 1 fois factoriel 1, c'est égal à n. On peut utiliser encore la calculatrice pour déterminer l'arrangement ou bien la combinaison. En utilisant la calculatrice, c'est le symbole de l'arrangement, c'est NPR. P, c'est même A pour nous. Donc, on écrit A, 2, 5, on écrit sur la calculatrice. Voilà, 5, on écrit N, puis P, R. Donc, 5, Shift. C'est le symbole de l'arrangement, c'est le P2. C'est égal à 20. Oui, on écrit 5, 2. Même si on écrit 2 puis 5, c'est faux, mais la calculatrice donne math error. Ou bien Shift P2. 5, c'est math error. Donc, on écrit n puis p. Autre exemple, comme a 1, 10, on écrit 10, le nombre le plus grand, puis shift ca, puis 1, c'est égal, donc a 10. Et voilà. Pour la combinaison, c'est le symbole de combinaison. NCR. Comme 5 Shift C 3 est égal à 10. Autre exemple, c'est 10, 10. On écrit 10, shift, c, puis 10. Donc, c'est égal à 1. Donc, pour déterminer la combinaison ou bien l'arrangement des nombres, on utilise directement la calculatrice.
Application 2. Simplifier n appartenant à n et n plus grand ou égal à 2. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. A n de n, c'est factoriel n sur factoriel n moins n, donc c'est factoriel 0, égal à 1, donc c'est factoriel n. Essayez de le faire seul. Donc, c'est factoriel n sur factoriel n moins 0, c'est factoriel n, donc c'est égal à 1. A1n, c'est factoriel n sur factoriel n moins 1, c'est n. C'nn, donc c'est factoriel n sur factoriel n fois factoriel n moins 1, donc c'est égal à 1. C02, donc c'est factoriel n sur factoriel 0 sur factoriel n, c'est égal à 1. Cn1, c'est factoriel n sur factoriel 1 fois factoriel n moins 1, donc c'est égal à n. Application 3. N appartenant à n et n plus grand ou égal à 1. Vérifiez que n moins p est égal à np. Donc, choisir n moins p élément à partir de n, c'est égal à choisir p élément à partir de n. Avec n plus grand ou égal à p et p plus grand ou égal à 0. Essayez de le faire seul. Factoriel n sur n moins p, donc fois factoriel n moins p. Donc c'est factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p, et c'est égal np. Et voilà, c'est vérifié. Partie 2, vérifiez que np plus np plus 1 est égal n plus 1, p plus 1. Ou n moins 1 plus grand ou égal à p plus grand ou égal à 0. Essayez de vérifier la deuxième instruction seule. Et on peut retenir par cœur que n moins p est égal à np. Ordre. Disons que vous voulez faire de la salade. Vous mettez de la laitue, de la tomate, du concombre, du sel et de l'huile d'olive. Ici, l'ordre dans lequel vous mettez ces ingrédients n'est pas important. C'est-à-dire, si on met la laitue, puis le concombre, puis le sel, puis l'huile d'olive, puis le tomate, rien ne se change. Ou bien si on met la tomate, puis huile d'olive, puis sel, puis laitue, puis concombre, encore rien ne se change. Donc l'ordre n'est pas important. Voilà. Mais disons que vous voulez retirer de l'argent du guichet automatique où vous devez entrer un code PIN. Donc on va entrer un code. Et si l'ordre des chiffres du code PIN est important, si on a un code 1, 2, 3, 123, si on écrit 3, puis 2, puis 1, donc c'est faux. Donc l'ordre des chiffres est important. On va mettre premièrement 1, puis deuxièmement 2, puis troisièmement 3. Donc ici l'ordre est important. Mais pour l'exemple ci-dessus, l'ordre n'est pas important. Si on met laitue puis tomate, même si on met tomate puis laitue. Voilà. Activité 1. Combien de mots des trois lettres tout distinctes pourrait-on former à partir des lettres S, N et O? Donc,
On a ces trois lettres SNO et on va fermer et on va former un mot de trois lettres distinctes. Donc, on ne peut pas dire que S, S, puis O. Le sens du mot n'est pas important. Ok. Tout d'abord, la première lettre peut être S, ou bien peut être N, ou bien peut être O. Donc, si on va former un mot de trois lettres S, N, O, le mot peut être commencé par S, par N ou bien par O. Si première lettre N, le deuxième lettre, si le première lettre S, le deuxième lettre E, N ou bien O ne peut pas être S, car tout distinct. Mais si première lettre N, deuxième lettre C, S ou bien O. Et pour la première lettre O, deuxième lettre C, S ou bien N. Maintenant, si la première lettre S, deuxième lettre N, troisième lettre C, bien sûr O. On ne peut pas mettre S ou bien N, donc si S, N, reste O, car les lettres doivent être distinctes. Si première lettre N, deuxième lettre O, troisième lettre C, N. De même, N, S, O, N, O, S, donc N et O, N, S. Donc, c'est les mots. On a six mots. Donc, il y a six mots. Six mots, c'est égal à factoriel trois mots différents. Donc, on peut directement, si on a trois lettres, et on va former un mot de trois lettres distinctes, on peut dire directement que le nombre de mots, c'est factoriel 3. Et c'est égal à 6. Combien de mots de 4 lettres n'est pas distinct pourrait-on former à partir de lettres S, N, O et O? On a deux lettres O. Tout d'abord, première lettre peut être S ou bien N ou bien O. C'est 3 choix. Pour deuxième lettre, si la première lettre N, deuxième peut être N ou bien O. Pour N, deuxième soit S ou bien O. Si première lettre O, deuxième lettre C, S ou bien deuxième lettre C, O ou bien peut être N. Pour O, peut être O, O. Car on a deux lettres O. Mais si on met ici S, O ou bien O, c'est la même. C'est S, deuxième lettre, c'est O. Troisième lettre. Si première lettre S, deuxième lettre N, troisième lettre c'est O. Si S, O, troisième lettre peut être N et peut être encore O. Pour N, donc c'est O. Pour N, O, c'est S ou bien O. C'est O, S, N ou O, S, O. Si O, donc c'est S ou bien N. Si N, donc c'est S ou bien O. Quatrième lettre, c'est O. Si on a N, donc c'est O. Si on a O, donc c'est N. O, S, O, donc O, S, N, puis O, O, puis N, et ainsi de suite. Donc, les mots sont, si on compte les mots, sont 12 mots différents. On peut calculer ça directement.
Le nombre de lettres, c'est 4, donc c'est factoriel 4 divisé par le nombre répété. Donc, on peut déterminer directement ça. Donc, les lettres, c'est 4, donc factoriel 4 divisé par les lettres répétées. On a O, O. Donc, c'est deux lettres. Donc, c'est factoriel 4 sur factoriel 2. C'est égal à 12 mots différents. Par exemple, combien de mots différents pouvez-vous former à partir de toutes les lettres données? Pour maths, si on a 4 lettres différentes, donc c'est factoriel 4. Pour Sunny, c'est S, N, N, Y et U. On a 5 lettres, donc factoriel 5, mais divisé par, on a 2 N et divisé par factoriel 2. Pour parallélogramme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lettres. Donc, factoriel 13. Mais attention, on a 3 A. Donc, A, A, A. Donc, on a 3 A. Donc, ça. Et on a 3 L. L, L et L. Et on a 2 R. R et R. Donc, pour déterminer le nombre, c'est factoriel 13, car le nombre des lettres c'est 13, divisé par factoriel 3 pour A, on a 3A, factoriel 3 encore pour L, et factoriel 2 pour R. Donc, on divise par les lettres répétées. D. On a 9 lettres, donc c'est factoriel 9, divisé par, on a 3W, 2B et 4R, donc c'est factoriel 9, divisé par factoriel 3, fois factoriel 2, fois factoriel 4. Application. Combien de sélections différentes pouvez-vous former à partir de toutes les lettres ou bien chiffres donnés? Essayez de le faire seul. Donc, 3 lettres différentes, c'est factoriel 3. Pour B, essayez de le faire seul. On a 6 lettres divisé par, donc factoriel 6 divisé par factoriel 2, car on a 2 O. C. On a 7 chiffre, donc factoriel 7 sur 3B, donc factoriel 3 fois 3R, donc fois factoriel 4. C'est 35 différentes sélections. Finalement, c'est factoriel 9, car 9 chiffres, divisé par factoriel 2, car on a 2, 1, fois factoriel 3, car on a 3 chiffres 3 fois factoriel 2, car on a 2 chiffres 4.